Salut. D'habitude, c'est plutôt rare que je veuille rediffuser mes lives de Garry's Mod sur YouTube, car la plupart du temps, ça ressemble à ça. Je comprends rien, vas-y. Vas-y mon vieux, rage quitte. Mais hier il se trouve qu'une alchimie a opéré. Je suis tombé dans une partie avec des joueurs qui ont vraiment bien joué le jeu. Et du coup bah ça a vraiment donné une partie fun à jouer quoi. Alors peut-être que c'est parce que c'est des gens qui me connaissaient pas. Ou alors si c'est des abonnés qui ont joué avec moi, bah franchement, grosse dédicace à vous parce que vous avez super bien joué le jeu. Alors si ça vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur la vidéo. Pourquoi pas la partager sur vos réseaux sociaux si vous voulez me soutenir. Et vous allez voir que Victor il s'y connaît en termes de discrétion. Bah ouais. Qu'est-ce que vous voulez monsieur? Je sais pas si je peux faire combattre cette personne là. Il est de la maison. Il est de la maison, ouais. Ok, bah parfait. Moi aussi je suis de la maison les gars. Et je voudrais m'infiltrer chez les mafieux, tu vois. Tu voudrais t'infiltrer chez les mafieux? Ça peut être une bonne couverture en tant que... Bonjour. 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 Tu bouges plus. Oui, vous êtes mafieux. Oh mon dieu. Oh my god. Ouais, tranquille. T'as pas trop bien. Tranquille. Pas trop bien, ouais. Attendez, il fait semblant. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas. Mais vous êtes pas un flic, monsieur? C'est la couverture. Tu vas nous faire griller. Collé avec la chasse. 500. Petit clin d'œil. Il est avec nous. Il est avec nous. C'est bon. On arrête. C'est bien, monsieur? Oui. Oui, et vous? Non, ça va aller. Non, ça va. Vous devriez faire copain avec lui là-bas. Agressé quand même. Bon collègue, tu viens, on va faire une ronde. Allez viens, on va chercher une bagnole. S'il vous plaît. Non, t'inquiète, tu peux les garder. Utilise-les pour t'infiltrer. Non. Utilise-les pour t'infiltrer. Ok, déjà. Attends, on va faire un plan. Il est parti s'infiltrer comme ça. Apparemment, il y a un code anti-bug. On va faire un plan. Écoute, je vois qu'il y a plein de mafias. Je vois qu'il y a plein de mafias. On va te déposer dans les quartiers riches. Parce que dans les quartiers riches, il y a souvent de la mafia là-bas. Tu comprends? Et tu vas essayer de te faire copiner avec les gens, tu vois. Et nous, on va te surveiller de loin. Mais. Tu vois? Non. Tu veux pas faire comme ça? Peut-être qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont foutu un code anti-bac. Un code anti-bac? Merde. Donc, du coup, faudra trouver le code anti-bac, tu vois. Bon, les gars, j'achète une voiture déjà. Moi, j'achète une bagnole. Elle est où la voiture de gendarme? Les gars, je trouve pas la voiture du gendarme. Écoutez, moi je vais faire la ronde à pied. Depuis le temps, on aurait pu faire trois fois le tour du quartier à pied. Ça sera plus simple. Ce sera bien plus simple. Au nom de la loi, je réquisitionne votre voiture. Non, on peut pas. Merde. Dommage. C'est dommage. Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surveiller notre chapeau noir là. Il est où? Vas-y. Il est derrière. Lui là. Je pense qu'il est en. Regarde derrière. Dans le conseil. Ouais. Lui, faut le surveiller de loin là. Tu vois derrière le chapeau noir. Il est avec nous, il est de la maison. Il est de la BAC. D'accord. Tu vois, faut le surveiller de loin. Ok. Faire comme si de rien n'était, mais tu vois, faut. D'accord. Voilà, faut surtout rester très discret. Ça va, ça se passe bien, collègue? Au secours. Surtout rester très discret. Très discret. Vas-y, fais copinage, vas-y. Allez. Non, arrête. Pourquoi vous entretuez? Il est avec toi, arrête. Arrête, il est avec toi, putain. Vas-y! Bien joué, collègue! Les chapeaux, là. Bien joué! Il est où? Obligé de l'abattre! T'as un collègue! J'ai merdé! Il m'a dit c'était le parrain, il m'a dit qu'il avait un sniper et tout, il y a aucun sniper. On aurait pu l'arrêter, collègue! Viens, on va aller t'infiltrer dans les quartiers riches! Oh, collègue, là, c'est pas l'heure de l'apéro, mon vieux, là. On a du boulot, hein. Allez, viens. Surtout, on reste discret, les gars. Discrétion. Les gars, on va aller dans les quartiers riches. Ça vous dit, quartier riche? Il y a souvent du grabuge là-bas. C'est obligé. Vous suivez, les gars? Ah, on a perdu un collègue? Ah, ouais, si, c'est bon. Impeccable. Il y avait pas quelqu'un à la fenêtre? Ou alors, j'ai halluciné. Il y a quelqu'un ici? Y'a rien, messieurs. RS. RS. Dégage, t'attends. Collègue. On va surveiller cette maison. On va la surveiller de loin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter cette maison là-bas. On va se mettre en filature. On va monter sur la terrasse. Et on va surveiller ce qu'ils font de loin. Et dès qu'on aura assez de preuves, on va interpeller. Ça marche? Vas-y, viens, collègue. Okay. Par contre, on a perdu un collègue avec nous. Bon. Collègue, viens. Viens, non, je vais t'expliquer le plan. Viens avec nous, je vais t'expliquer le plan. Ouais. D'accord, ok. Je vais t'expliquer. Viens, tu vois, regarde.
On va acheter cette maison. Dehors, t'inquiète. Je vais vous rajouter. On va acheter cette maison. Vas-y, rentre. Ouais. On va se mettre en filature. Parce que si tu veux, on va surveiller le mafieux qui vient de rentrer dans la maison d'en face. On va le surveiller de la terrasse. Tu vois ce que je veux dire? Je vais vous rajouter à la porte, les gars. Ok. Je vois exactement ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il a, le collègue? Qu'est-ce qui t'arrive, collègue? Une crise d'épilepsie, je crois. Il a fait une crise d'épilepsie. Hey, collègue. Je me suis endormi. Tu t'es endormi? Bah, c'est pas l'heure de la sieste, mon vieux. Réveille-toi. Comment c'est que tu t'endors comme attendez, ça, là? Attendez. Tu vas te réveiller, là? En fait, j'ai. C'est juste qu'il y avait une touche sur mon téléphone et j'ai appuyé dessus sans faire exprès. Et ça m'a endormi directement. Bon, bah, écoute, tu frapperas à la porte, hein. Ah bah c'est bon, ouais, vas-y. Vas-y les gars, venez. Les gars, sur la terrasse. Putain, c'est quoi ça? C'est quoi ces machins? C'est quoi ces trucs chimiques? Je sais pas. C'est des lampanaves et tout. Il y a carrément des machins et tout. Les gars, n'oublions pas. Vas-y, venez les gars. N'oublions pas le but de la mission. Baissez-vous les gars, baissez-vous. La filature. C'est la baraque qui est juste en face, les gars. Juste en face. Regardez, il y a deux mafieux. Vas-y, pèse-toi. Tu les vois? Tu crois qu'il y a du business ou quoi? Il y a du business, c'est obligé. Écoute, ce qu'il faudrait, c'est qu'on passe derrière leur maison sans qu'ils nous repèrent et qu'on aille espionner leur conversation. Tu vois ce que je veux dire? Il y a du business là-bas. Tu vois ou tu vois? Ou tu vois pas? Tu vois ce que je veux dire, collègue? Il faudrait qu'on passe derrière chez lui et qu'on aille espionner sa conversation. Ouais. Tu vois? Ça c'est une bonne idée. Vas-y, par contre, on va passer, on va essayer de longer. Faut pas qu'ils nous repèrent. Vas-y, viens. Ouais. C'est parti. En mode rainbow quoi. Attends, par contre, on m'appelle. Merde, j'ai pas eu le temps de décrocher. Putain, j'ai pas eu le temps de décrocher. On m'a appelé, j'ai pas eu le temps de décrocher. Vas-y, viens, collègue. Je vais faire ma clé. Écoute, on va y aller tranquille, on va aller espionner sa conversation. Mais tranquillement, ok? On fait style de rien. Ok. Tranquillement. Tout se passe bien. Ah, attends, on m'appelle, collègue. On m'appelle. Allô? Vas-y, je te couvre. Ouais, j'arrive. Je suis sur le chemin là. Ouais, vas-y, collègue. C'est juste dur à pied en fait. On est déjà en filature là. Vas-y. Rejoins, mais attention. Okay. Fais pas de bruit, hein. Fais-toi pas repérer. A tout de suite. La filature là, mon vieux. Le garage. Ah oui, le garage. Attends, je vais fermer le garage. Je ferme le garage, collègue. J'ai oublié de fermer le garage, mon vieux. J'arrive, je vais faire le tour. J'arrive. Vas-y, collègue, tranquille, vas-y. Il part, regarde, on va pouvoir espionner un peu. Tranquille, collègue, tranquille. Sinon, ça se passe bien? Ça va? Ouais, écoute, bah ouais, ça va. Et bonjour, bah après, on va aller. Là, bah... Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui? Oui. Est-ce que vous pouvez arrêter d'espionner ma maison? Parce que j'ai l'impression que là, je sais pas ce que vous faites. Comment? Espionner votre maison? J'ai pas bien compris, là. Attends. Mais... Oui, monsieur, c'est ma maison. Y a-t-il des raisons d'espionner votre maison? Arrêtez de rester ici, s'il vous plaît. Écoutez, nous on fait une ronde dans ça le quartier. Ça suspect là, tous les deux. Tranquillement. Bonjour les collègues. Bien sûr. Salut collègues. De plus en plus de police là. Non, tranquillement, parce on fait une je ronde. Je sais pas ce qui se passe, mais. On va vous laisser c'est tranquille. Si vous voulez, je peux vous faire... C'est ma maison, hein. S'il y a un souci. Ouais, tiens, ce serait bien ça. Non, oui, ce serait pas mal. Bah, monsieur. Bah, si petite visite. Si vous voulez aller visiter ma maison. Pourquoi pas, si vous le demandez si gentiment. Hein? Venez, y'a pas de problème. Non, on va vous laisser, écoutez les collègues, on va les laisser tranquilles les collègues, on va les laisser. Salut collègues, on va vous laisser tranquille, on va continuer notre ronde. Bougez plus les quatre, bougez plus. Eh, tranquille. Putain de merde, dans quelle merde on s'est foutu de merde. Tranquille les collègues, vous inquiétez pas. Ok, bon,
Toi aussi je te lève tes armes, tes moyens de communication. Tranquille, c'est lui qui dit j'ai pas d'argent et tout, je le tue. Ça va bien se passer les gars, vous inquiétez pas, ça va bien se passer les gars. Non. Ça va bien se passer. Vas-y, on se dépêche. Tenez, j'ai posé ça par terre. Ok, à vous, messieurs. Le collègue, il est de la maison, je crois. Il est de la maison, le collègue. Ils ont pas payé. Ouais, celui-là, il a payé. 500. Sur tout un monde, il a pas payé. Payé, c'est bien. 500, messieurs. Tranquillement. Ne vous inquiétez pas, les collègues, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Voilà, monsieur. Ah bah, non, j'espère que ça va bien se passer. J'ai une famille, quoi. Bien, maintenant, on vous prend tous les quatre vos radios. Mais du coup, en fait, on a besoin de coachs. Je leur ai déjà pris. Lesquels veulent venir avec nous? Vas-y, okay, je viens avec toi. Vas-y, je viens avec toi. Vas-y. On vient tous. Vas-y, on vient tous. Vas-y, viens, on le suit, collègue. Viens, Victor. Oui. Vas-y, on va le suivre. Vous savez que vous vous en tirerez pas comme ça, monsieur. Ça peut aller très loin. Vous êtes quand même en train de braquer des gendarmes là. Vous êtes pas les seuls que j'ai pris en otage dans ma carrière, monsieur. Vous braquez des gendarmes, monsieur. Bon. Je m'en fous, moi j'ai déjà. Vous inquiétez pas, les collègues, ça va bien se passer. Vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Venez s'il vous plaît à la maison. Faites ce qu'il dit, on va s'en sortir. Venez, monsieur. Oh, je vais faire un cri là. Ça va aller, Victor. Respire. Respire. Ça va aller. On va s'en sortir, crois-moi, je vais te sortir de là. Non, pas de banque. Je vais te sortir de là. Je veux dire, il est. Il est trop nombreux. On a rien fait, monsieur. Nous, il est au téléphone là. On a rien fait. Alors qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Les fragiles, vous dégagez. On a bien plus souffert que vous croyez. D'accord, ok, les collègues, ils nous laissent partir. Les gars, venez. Au revoir. Vous entendrez plus parler de nous, vous inquiétez pas. Venez, les gars. Au revoir, monsieur. Les gars, on n'était pas assez discrets, les gars. Les gars, venez. Bonsoir, monsieur. Bonjour, surtout. Ouais. C'est le rassemblement, quoi. Ouais, c'est le rassemblement. Et vous? C'est le rassemblement pour aller où? Hein? Et vous, vous faites quoi avec votre grand chapeau? Vous allez à un carnaval? Hein? Alors? Bah, ouais. On les met en plus, hein. Allez, circulez, monsieur. Circulez. Mais pourquoi c'est un lieu public, monsieur? J'ai pas le droit de circuler ou de pas circuler, je fais ce que je veux. Circuler. Bon. On a le droit de vous menotter, monsieur, on a le droit de vous emmener. Alors? Non, t'as pas le droit de m'emmener pour rien. Il te faut des raisons. Bon, tu veux goûter à la matraque ou quoi? Alors, est-ce que tu veux goûter à la matraque? Bah, vas-y. Hein? Bon, je te dis, je suis tendu là. Il est très insolent, ce garçon, messieurs. Ah ouais, non, là je suis tendu, mon gars. Messieurs, il est très insolent. Voulez-vous qu'on vous passe les menottes, monsieur? Qu'est-ce que vous décidez? Arrêtez avec vos poings. Vous êtes violent. Arrêtez avec vos poings. Arrêtez, vous êtes violent, monsieur. Alors, circulez, monsieur. On a dit circulez, vous circulez. Allez, venez les collègues. Laissez-le tranquille. Venez les collègues, laissez-le. Venez, on rentre chez nous. Nique la police. Oh, comment ça, nique la police, les gars? On interpelle, les gars, on interpelle. Il a dit nique la police, on interpelle, les gars. Vas-y. Attends, t'inquiète, j'ai mon taser. Vas-y, il est où mon taser? Les gars, on interpelle. Oh putain, je vais me péter la gueule. Oui, il se passe quelque chose, collègue. Il se passe que je viens de me péter les deux chevilles, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça va aller, ou bien? Toi, tu viens. Tu vas venir au poste, avec nous. Tu ne bouges pas, tu te mets contre le mur, mon vieux. Il n'y a pas de mur. Eh ben, tu te mets contre le poteau, c'est pas grave. Vas-y. Alors, tu vas t'arrêter tout de suite. Tu vas t'arrêter tout de suite, mon vieux. Il va voir lui, t'inquiète. Ouais, comment ça c'est que tu dis nique la police, toi? Vas-y, les gars, bougez pas. Je le menotte, les gars, je le menotte. Vous bougez pas. Vous bougez pas, je vais le menotter. Vas-y, je t'ai menotté, là. Ça bug un peu, mais t'es menotté. Allez, tu vas venir avec nous. On va aller te cuisiner au commissariat, mon vieux. Au trou, mon vieux. Tu viens avec nous, tu nous suis, là. Allez. Mais monsieur, on est près du Taco Bell, 54, arrêtez. Ouais, tiens. Près du Taco Bell, est-ce que ça te dit d'aller faire un séjour en prison, mon vieux? Pour outrage à agent. Non, mais j'ai quoi? Est-ce que tu veux t'excuser? Faut déjà ramener-moi au commissariat. Alors, déjà, tu dis, je m'excuse. Tu t'excuses auprès de nous trois. Du toi pas aussi. Voilà. Ou alors, tu vas en prison tout de suite. Trois auprès de vous trois, j'en ai rien à foutre, moi. Si, en prison, mon vieux. Alors.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a cherché les collègues. Il l'a cherché, les gars. Allez, venez, les gars. On repart en filature. On va aller dans notre baraque là. Oh, c'est qui ça? Oh, les gars, attention. Les gars, on sort les armes. Retranchement, les gars. Merde. Retranchement, retranchement. Fais gaffe, collègues. Attention, les collègues. Ça va mal se passer, ça va très mal se passer. Ça va mal finir cette affaire. Ça va finir en bain de sang, moi, je vous le dis. Il y aura des morts, il y aura des morts, c'est sûr. Jusqu'à la mort, les collègues, vous inquiétez pas. Les gars, je crois que c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là-bas, avec son arme, là? Tant pis, on utilise la force. On utilise la force, les gars, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je suis blessé, je me suis... T'es blessé, collègue? Ça va, tranquille? Je me suis pris une balle. Rouge. Moi aussi, je suis un peu blessé, mais ça va aller. Je suis un peu blessé aussi, collègue. Vas-y, vas-y. Moi, je reste à pied, perso. Vas-y, vas-y, les gars. On monte, les gars. Vas-y, les gars. Vas-y, vas-y. Les gars, eh, par contre, discrétion. Je sais pas si la sirène, c'est obligatoire. Ouais, discrétion, les gars. Les gars, on fait une descente chez les mafieux, ça vous dit? On va vous apprendre la discrétion. On fait une descente chez les mafieux, les gars. Ça vous dit? Ouais. À gauche, collègue. À gauche, à gauche, à gauche. Là, à droite. C'est chez nous, là. T'inquiète, je l'ai acheté, la baraque à droite, là. Voilà, je l'ai acheté. Vas-y, on rentre la bagnole dans le garage si tu veux. Je vais t'ouvrir. T'inquiète. Attends, je vais t'ouvrir le garage. Je vous ouvre le garage. Qui c'est qui tire là? Vas-y, collègue. Bah, rentre la bagnole, collègue. Non? Tu veux pas rentrer ta bagnole? Ouais, ouais, ouais. Je suis pas sûr qu'il y ait une bonne discrétion dans l'équipe là. Les gars, les gars. Déjà, attendez. Les gars, filature sur la terrasse. Vous avez pas la formation discrétion là? Ouais, ouais. Les gars, tranquille. Qui c'est qui est parti tout debout sur la terrasse? Tranquille, les gars, formation discrétion. Discrétion, les gars. On va faire une descente chez les mafieux en face. En face, les gars, on va se faire une descente. Est-ce qu'il y a un sniper? T'as pas un sniper sur toi, collègue? Toi? Non. Baisse-toi. Écoute, collègue, on va retenter la descente chez les mafieux. Mais cette fois, cette fois, on y va discretos et on se la fait rentrer en force, mon vieux. Ça marche? On va se la faire comme ça. On va se la faire rentrer en force. On va être comme ça. Vas-y. Ça marche. Aussi. Et ouais, le mandat. Ah ouais, le mandat. Le mandat, les gars. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir le maire. On va voir le maire, les gars. Maintenant, je peux lui demander. Il va accepter. Je prends le bélier. Je défonce la porte. C'est bon. Ou les gars, attendez. Ouais, mais faut couvrir les portes de derrière, le garage et tout. Attendez, les gars, on demande un mandat au maire. Ça marche, je l'appelle et j'y demande un mandat. Attends. C'est... Faut au moins qu'on trouve. Déjà, je rentre. Déjà, faut rentrer, les gars. Faut au moins qu'on trouve le nom des suspects pour pouvoir les mettre dans la liste des personnes à rechercher. Attendez. Quelqu'un nous a tiré dessus. La porte, elle est ouverte. La porte elle est ouverte, regardez. La porte ouverte? Regardez la porte d'entrée, elle est ouverte. Ouais. Okay, go. Qu'est-ce qu'on fait? On y va, les gars. Allez, go les gars, on y va. Go les gars. Vas-y, c'est parti. Désolé, j'ai pas fait exprès. Merde. Discrétion. Vas-y les gars, go la descente les gars, c'est parti. On y va, on rentre en force. Vas-y les gars. J'y vais lui. Laissez-le tranquille. Vas-y les gars, c'est parti. La porte elle vient de se fermer. Ouais, t'inquiète. On va rentrer, on rentre en force les gars. Attention, on bouge plus là-dedans, mon vieux, c'est la police là. Personne ne bouge. Alors, ben non, y a, bah, en même temps, il y a personne. Ouais, bon, en même temps, ça risque pas de bouger les gars, il y a personne. Merde les gars, il a déménagé. Il a déménagé les gars. Il Putain, il est pas dans la cheminée, non?
Ah non, y'a rien. Ah le salaud, il a déménagé. Les gars, on fouille quand même les pièces. On fouille les pièces. Ouais, ouais, ouais. Y'a peut-être encore des preuves ici. Y'a rien, les gars, y'a rien. RS. RS, les gars. Non, y'a rien. Bravo la discrétion. Alors, c'est bien de la discrétion, ça. Écoute, moi je dis, on reprend la bagnole. On va refaire une ronde. On va refaire une petite ronde, on va les retrouver. Je suis sûr qu'il s'est pris en hangar quelque part ou je sais pas, tu vois un truc. Il a dû se prendre quelque chose. Oh les collègues. Les collègues, les collègues. On part en ronde les collègues. Elle est. Elle a acquis la bagnole là. Il nous faut un pilote les gars, ouais. Mais bien sûr, discrétion les gars, bien sûr. Les gars. Les gars, vous m'avez oublié, les gars. Les gars, les gars. Les gars, vous m'avez oublié. Les gars. Putain. Eh, hey, les gars, je suis là, moi. Ils sont partis sans moi. Putain, ben ouais. Mais j'étais en train de faire je sais pas quoi, là. Putain. Les gars, merde. Putain. Ils sont partis sans moi. Oh non. Merde. Ah bah je vais appeler à la radio. À toutes les unités là, vous avez pas l'impression d'avoir oublié quelqu'un, non? Quand vous êtes parti en ronde. Allô? Allô? Ouais. Ouais, collègue, c'est Victor, t'es passé où? Mais vous m'avez oublié les gars, vous êtes parti, je vous ai couru après. Ah non. Mais non, si. Vous m'avez oublié les gars. J'arrive, viens chercher, t'es où? Je viens chercher. Je suis en bas là, je suis vers la pompe à essence à côté du Taco Bell là. Je vous ai couru après en plus. Ok, okay, j'ai entendu une explosion. Vas-y, à tout de suite. Vas-y, j'arrive, je viens te chercher à pied, Ça marche. J'ai entendu une explosion à côté de la radio. Voilà, radio. Ouais, ouais, on va aller patrouiller dans les HLM, collègue, t'inquiète. Par contre, discrétion, ouais. Hein. Tu sais bien, tu t'y connais dans la discrétion. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, je connais maintenant. Discrétion oblige, ouais, ouais. Vas-y, t'inquiète, on va faire un truc bien. Un truc propre. Vas-y, viens, collègue. On va faire une petite ronde banale, tranquille, tu vois, une petite ronde ouais, routine, ouais, quoi. Ouais. On va commencer par par cet appartement-ci, enfin, par cet immeuble. Très bien, très bien, très bien. Ça a l'air plutôt vide. Ici la police. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Bonjour. Petit contrôle de routine, est-ce que c'est possible de nous ouvrir votre appartement? Bonjour, bonjour monsieur. Petit contrôle de routine, vous inquiétez pas, rien de mal. Rien de méchant. Je vais vous fouiller, monsieur. Quand je me mets en jeu, je vais vous fouiller vite fait. Plutôt chaleureux ici. Plutôt chaleureux. C'est beau, orienté plein sud, la petit rayon de soleil et tout. Franchement, ah oui. Belle vue sur la montagne. Belle vue, ouais. Rien à dire. Franchement, rien à dire. J'achète. Il n'y a pas d'armes. En plus, monsieur, il y a un très beau costard, je sais pas, mais franchement, ouais, ouais. Sapé et tout. Ouais, j'ai vu qu'il était bien sapé. Je sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais. Je sais pas ce qu'il fait, mais il est. Il est bien. Il se met bien, on va dire, ce monsieur. Un café, oui, bien sûr, pourquoi pas. On va s'asseoir tranquillement, c'est vous qui le faites. Oui, s'il vous plaît, si vous pouvez nous offrir un petit café. Oh putain, je suis. Très bien. Pas de problème. Il a bugué, je crois qu'il a bugué le collègue. Il a bugué le collègue, il est sur le toit. Beaucoup même. Ça va, collègue? La vue est belle d'en haut. On appelle les pompiers après. On va appeler les pompiers, t'inquiète. Ah bah il est là. Il est revenu. Il avait bugué. En tout cas, on est bien reçu chez monsieur. C'est plutôt bien, on est bien reçu, faut dire ce qui est. On a des cafés, c'est cool ça. Vive les policiers débutants. 90, j'en ai marre de les payer moi au boulot. Eh bah dis donc, il est pas coulé avec une Senseo celui-là. Hein. C'est bien. Hein? Eh bah dis donc mon vieux. Hein? Et comment qu'on fait? On boit tous dans la même gamelle? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Et pas de tasse mon petit monsieur? Allez, je commence par boire. Hein? Ah, c'est plutôt chaleureux chez vous, mais c'est pas très fonctionnel. Hein?
Enfin bon, c'était bien bon, merci pour l'invitation, monsieur. Allez hop. Allez les collègues, nous on a du travail. C'était bien bon, merci pour l'invitation en tout cas. Merci beaucoup. Merci monsieur. Merci de votre accueil. Bon, on a plutôt été bien reçu chez ce monsieur. Franchement, tranquillement. Tranquillement. Et pas de bêtises.